Bon Dieu béni. Nous avons avec nous matin et un personnage qui passait de présentation. C'était un ancien co-directeur à la radio Lumière. C'était un ancien animateur émission Haïti Plus. Nous te connaissons mais attendez. Donc il sortit dans l'église évangélique d'Oreb. C'est un homme marié, père de 3 enfants. C'est directeur et fondateur radio Succès FM. C'est notre bien-aimé frère, le pasteur Luvio Duvernat. C'est lui-même matin qui est avec nous matin. Que mon Dieu bénisse nous. Bon Dieu béni. Amen. 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 Vos oreilles ou tendez, bouche ou abdi, bon Dieu. Faut l'enfer tendez, bouche ou abdi, bon Dieu. Faut Satan tendez, bouche ou abdi, bon Dieu. Gonzé de vieille force qui l'enfant mignon, faut tendez, bouche ou dit, bon Dieu. Je dis pasteur Daniel avec l'équipe, merci pour l'invitation. L'église, ça, c'est l'église que je remets en pile. Et ça fait longtemps que je suis là, mais je remets l'église en pile, je remets l'adoration. On ne va pas adorer là, qu'on ait des gens qui remettent l'adoration. Des gens qui sont bénis. Je me souviens, pasteur chéri, pendant qu'on est dans le bureau, il passait visiter moi. Donc on a parlé ensemble. Pasteur chéri, c'est un homme de Dieu. Et nous dit, bon Dieu, merci. L'église a toujours un homme de Dieu. Très bien. Donc on est... Il y a un pile pasteur à travers le monde. En Haïti. Il y a un pile pasteur en Haïti. Mais il y a un petit crasse homme de Dieu. Pour bagaille, je me dis, je suis plus homme de Dieu que pasteur. Quoi, nous ordinairement, je commence à prier à midi, soit dans la radio Lumière ou bien dans le succès, il faut me demander comment vous êtes. Et matin, encore une fois, dis-moi comment vous êtes. Est-ce que vous bien? Très bien, très bien. L'église que m'a dirigé dans Claircine 12 et Aptan, tout à l'heure qu'on s'avance, quitter au mal dans l'église là. Mais aidez-nous prier en pile parce que nous l'en route là ensemble. Amen. N'a fait route là ensemble. Ensemble. Fait route ensemble. Nous parlons texte ensemble que vous connaissez par cœur. Merci. Un texte qu'on connaît par cœur, je réfléchis sur lui et je sentis que le ciel m'a mis ça pour toute l'église en Haïti, le moment ça. Le psaume 34, le verset 20. C'est une eau courante. Tout le monde connaît le par cœur. Dis-le pour moi. C'est une eau courante. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. On est. Psaume ça, c'est David qui écrit.
psaume ça. Maintenant, nous avons donc David a partagé expérience li avec l'église. C'est David qui a partagé expérience avec l'église lorsque David dit le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Quand ça me senti, David voulait dire moi, dans le texte ça, lorsque moi longe le couloir, texte là, je suis à la dent, et puis texte ça pas la même. Je me senti, David voulait dire malheur frappé pas de juste là. Mais étant donné que l'Éternel te gâte dans la caille juste là, et puis l'Éternel dit malheur, demi-tour. Fais back. Est-ce qu'on fait? L'Éternel gâte dans la caille juste là, et puis malheur frappe pot là. L'Éternel ouvre l'ouest, c'est malheur, il dit fais back. Fais back. Le malheur atteint souvent le juste. Moi dit que David en tant que berger, David a partagé l'expérience qu'il fait avec nous dans le jardin. Parce que David était exposé constamment au malheur. La vie de David était exposée constamment au malheur. Parce que dans le jardin, David est fait face à des loups, à des tigres, à des lions. Et même le David, finois, le malheur n'est pas quitté David. Le malheur. David sorti dans le jardin, hein? David finois. Attendez. David pourrait exposer au Goliath. David pourrait exposer à un géant qui est le Goliath. David pourrait exposer pendant le roi. Il pourrait faire face à petit garçon qui Absalom qui sortit pour tout yel. David était bien raison pour le dire. Le malheur atteint souvent le juste. Parce que David a guérison. David a guérison pour la partager avec nous comme ça. Mais comme je me dis au matin, mes frères, mes soeurs, et ça, vous qui suivent sur Internet, je me dis que la vie de David n'est pas de la vie pas. Chaque monde qui l'a, la vie n'est pas tracée, même gens. Est-ce que l'église avait là? Est-ce que l'église avait là? La vie n'est pas tracée même? Même Jean. Même Jean. La vie n'est pas tracée même Jean. Ça fait texte biblique. Yo. Réaliser un petit texte biblique, théologie, ou est noir là-dedans. C'est seulement Saint-Esprit pour révéler. Regardez ça. Je vais comparer un conseil de théologie avec un conseil de texte biblique. Et puis je me dis, mais qui ça, professeur, tu dis là? Qui ça? Qui ça? Qui ça? Et puis, je vais saisir, je vais prendre un fête, et puis Saint-Esprit a dit que je vais prendre plus mot, et puis Saint-Esprit a parlé. Je vais prendre plus mot, et puis Saint-Esprit a dit. Parce que, mon bagage que je vais me dire maintenant, la vie pam, grand monde qui contrôle elle. La vie pam, la vie pao, il en met bon. Oui. La même bon Dieu. La même bon Dieu. Et me dit où nous dans l'évangile ensemble, mais expérience pam, il pas forcément expérience pam. Est-ce que tout le monde comprend ça? Oui. Ce temps des docteurs qui a parlé là. C'est bien. Mais quand grain de bagaille ou ta main connaît, moi j'ai tête fait mal, m'prend un comprimé, ou j'ai tête fait mal tout pas forcément même comprimé n'apprend. Là moi comprendre ça.
Parce que je prends même comprimé avec vous, je soulage, ou prend même comprimé, il y a aggravé la situation. C'est une façon pour me dire, eh bien, problème pam, pas doué problème, pam. Long sens. Mais est-ce que la vie te gagne raison? Oui, il te gagne raison. Est-ce que David a gagné raison? Oui, il a gagné raison. Parce que David exposé réellement au malheur chaque jour. Chaque jour. Mais dans les témoignages d'une dame, dans les témoignages d'une dame qui une étrangère qui marie avec un soldat américain. Une étrangère qui mariée avec un soldat américain, lorsque la guerre éclatait, ils voyaient soldat dans la guerre, mari dans la guerre. Sur le front, Damna gardé férocité, Damna gardé atrocité, Damna gardé comment moun a tombé, comment moun a mouri. Quoi que Marie d'Amnan retourne, elle pas mourir, mais tête d'Amnan partie. Les Maria ouais ça, Maria les internés d'Amnan dans le centre psychiatrique. Et après 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois, d'Amnan fait dans le centre là. Et puis, en passant, Darmen dit, oh, mes frères, mes soeurs, son seul monde qui l'a avoir pour tout temps, non le sait. Jésus. Sous 2 ans de mariage, nous sommes ensemble, dit Jésus mère. Sous 5 ans de mariage, nous sommes ensemble, dit Jésus mère. Sous 10 ans de mariage, nous sommes ensemble, dit Jésus mère. Sous 30 ans de mariage, nous sommes ensemble, dit Jésus mère. Si nous avons 50 ans de mariage, nous parlons marier encore, mariage d'or, c'est pour nous dire Jésus, mais. Merci. Merci. C'est le seul monde qui avait pour tout temps. Seul Jésus. Après 7 ans, après 7 mois, l'enceinte là, et puis dame n'a reçu une lettre de divorce. Ou d'accord avec moi, côté douleur d'amnan augmente. Ou d'accord avec moi, côté chagrin d'amnan augmente. Mais, dame ça, l'hypat l'on état maladif constamment. Kali, t'es un petit genre, t'es comme intermittence l'an Kali. Il y a quelques moments pendant l'hôpital là, il est bien. Et puis nous recevoir les divorces à la crier, chaque jour crier. Mais qu'on dit, moi ce matin, comme ça, dans l'hôpital là, on met un gros écran. Et puis, il y a un pasteur qui a prêché, gros écran. Et puis, dame, non, le pasteur a dit, il faut dire non au malheur. Il faut dire non au malheur. Il faut dire non au malheur. Et puis, dame, non, presque rentré tête en télévision pour l'attendre. Pasteur a dit, il faut dire non au malheur. Et puis, dame, non, campé. Dame, non, campé. C'est comme si dame, non, était un rêve. Dame, non, campé. Dame, non, relance-moi, il dit, je suis guéri. Le Seigneur m'a visité ce matin. Il m'a dit de dire non au malheur. Attendez. Dame nan courir dans tout l'hôpital là avec seule phrase ça, non au malheur. Dame nan dans chambre ni non au malheur. Je joue une dame nan qui a dormi, qui a répété non au malheur. Attendez. Dame nan a mangé, non au malheur. Damnan a baigné dans la douche, li moun a tendé, l'a dit non au malheur. Damnan l'a mettra sous lui, c'est non au malheur, il vient nous chanson, non au malheur. Attendez.
Après un mois et demi, non au malheur, exéaté dame. Est-ce que l'examen là? Est-ce que l'examen? Après un mois et demi, il y aurait dame récupéré normalement. Il y a suite la parole Léo. Parole Léo pas dégaine gauche encore. Et puis, il dit, mais réunion faite, on dit, mais pas qu'il y a dame encore. Parce que dame son dame Gaïa, son dame Kerry. Et puis les dames n'ont parlé avec docteur Yo. Il dit, docteur, c'est une question de non malheur, docteur. Dame non, exéaté. Dame non, rentré la Kaeli. Dame non, reprendre activité professionnelle. Et peu de temps après, dame non, refait vie. Peu de temps. Attendez. Si David a dit le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours, est-ce que David a raison? Oui, il a raison. Mais dame ça, là, si pendant le travail, si pendant la rencontre avec quel que soit le monde, première parole qui peut sortir de l'embouche, c'est non au malheur. Est-ce que le bagage a raison? Même dans le même que. David, c'est ton élève. Et dame ça, c'est ton élève. Est-ce que vous d'accord avec? Est-ce que vous d'accord avec? C'est ton élève. Moi, ma veu, nous c'est élève la caïbon. Oui. Mais entendez sa professeur a dit lui-même. Entendez sa professeur a dit. Le psaume 91. Entendez sa professeur a dit. Le psaume 91, verset 10. Entendez ça le dit. Aucun malheur ne. Est-ce que l'examen? Est-ce que l'examen? Aucun malheur ne. Est-ce qu'elle dit certains malheurs? Est-ce qu'elle dit des malheurs? Est-ce qu'elle dit quelques malheurs? Mais elle dit aucun malheur. C'est le professeur qui parle. C'est le maître qui parle. Aucun malheur. Oh, qui ça me croit? Est-ce que c'est ça David dit? Ou bien ça maître l'a dit? Est-ce que c'est ça élève l'a dit? Ou bien ça maître l'a dit? Maître l'a dit aucun malheur. Darmé dit tout le monde qui là. C'est ma conviction. Je suis psychologue, c'est ma conviction. Et Darmé dit tout le monde qui là. Je me pose une question, Pépito. Est-ce qu'on peut prendre un coup de poudre? Darmé attendait l'église. Non. Est-ce qu'on peut prendre un mémonté? Non. Très bien. Est-ce que vous avez un coup de mort? Non. Très bien. Est-ce que vous avez pris un coup de zè? Non. Eh bien, vous m'avez dit, si vous n'avez pas pris un coup de mort, si vous n'avez pas pris un coup de zè, c'est le même esprit kidnapping. Non? C'est pour dire, t'es tout, moi-même, je ne peux pas kidnapper. Est-ce que l'église avait là? Son question de aucun malheur. Si pour mal travail, je prends le travail. Si pour mal la marché, je prends le marché. Si pour mal la maquette, je prends la maquette. Si pour mal la université, je prends la université. Parce que je connais yo pas qu'à kidnapper. Ce n'est pas le moment pour sortir sans pas besoin. Mais debout, il y a besoin, il faut sortir. Parce que mettre la dîme, aucun mal. Mais il n'est pas arrêté là seulement. Il n'est pas arrêté là seulement. Dans Jérémie 29,
Jérémie 29, verset 11, mettre la parole parler. Maître a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de mal. On applaudit mon Dieu, on applaudit mon Dieu, on applaudit mon Dieu. On applaudit mon Dieu, on applaudit mon Dieu. Yes, yes. Yes. Plan pas bon Dieu fait pour moyen. C'est un projet de la dans le pagema. Attendez. Le malheur, c'est un accident dans la vie chrétienne. Et me t'arrête pour me dire que chaque accident chrétien fait, si ou pas mourir, ou besoin rentrer dans la chambre, poser mon Dieu question. Poser mon Dieu. D'ailleurs, même quelquefois au malade la caillou, son façon bon Dieu à protéger, il faut malade. Ah, ok. Ça veut dire ça que malheur pour ou al, pas malheur pour bon Dieu lui-même. Pas malheur pour bon Dieu. Pas malheur pour bon Dieu. Aucun malheur. Donc on est. T'as rien pour me dire que les psychologues qui sont avec moi dans la salle, dame, ils ont tout compte ça. La parole n'est pas innocent. La parole n'est pas innocent. La parole tellement pas innocent. Bible a dit, le premier psychologue dit, dans Philippiens chapitre 4, il dit, ça doit occuper pensée, c'est bagaille vertueux, c'est bagaille qui vrai, bagaille qui juste, bagaille qui honorable, parce que pour me dire carrément, la pensée de l'homme, une fois formée, il y a une influence sur le sentiment, il y a une influence même sur le choix qu'elle fait dans la vie, la pensée de l'homme. Ça veut dire, l'homme n'en sait penser. Des pour penser grimace, l'église, des pour penser terre à terre, c'est parce que c'est terre à terre. Eh bien, attendez comment homme de Dieu est victime. Victime de pensée, hein? Victime de pensée. Dans Job chapitre 3, verset 25. Attendez ça, Job dit. Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Ça veut dire, Job te fait une programmation pour malheur. Avant même malheur arriver, Job te fait une programmation pour malheur. Je vais te dire un bagaille. Leur pensée, leur sac a passé dans l'esprit, ou c'est vieux pensée. Qu'on soit fait, mais soit fait. Malheur, quand on a un champ de masse, et puis après, elle est venue sauver. Malheur dans un champ de masse. Ou après, l'élevine sous par rapport à sa wapan. Ou après, l'élevine sous par rapport à sa waprépé. Mais, lorsque vous prononcez des bagailles honorables, lorsque vous pensez à des bagailles vertueux, vous allez dire carrément, dans le cosmos, vous avez de l'énergie positive. Cap dégager en direction de vous. Parce que Bible a dit, ça me doit penser, bagay qui honorable. Mes frères, mes soeurs, je vais prendre un peu de temps, je vais aller. Mais on est un bagay, je vais dire. Ça, bon Dieu fait pour vous, je répète-le souvent. Ou pas qu'on est, il y a plus que ça qu'on est. Par conséquent, pas nous corps. Ça, bon Dieu, vous connaissez, bon Dieu, bagaille. Vous connaissez ça, bon Dieu fait. Il y a quelques bagailles qui passent dans la cour, la caillou. Jouer ou dormi, ou dormi, ou enflé, ou dormi,
ou dormi juste là, et 4 heures du matin, 6 heures du matin, c'est réveillé pour le réveiller là. Il y a quelques bails qui ont passé dans la cour, la caillou, pour pas qu'on ait. Mais le Seigneur dit, étant donné que c'est moi pour régler ça, bon m'en dormi, monsieur, bon m'en dormi, madame, ça, moi pour m'en régler ça. Le malheur atteint souvent le. Mais. Bon. Mais même, m'badou pas répéter. M'badou pas répéter encore. M'badou pas répéter encore. Moi-même, côté Mia, moi n'en aucun mal. Aucun malheur. Et m'tarimé, Jodia. Sou gen pour rencontrer avec le monde. Il y a deux paroles, m'tarimé pour dire. Même quand côté pasteur. Va bal la main. Va dire non au malheur. On répète ensemble. Non au malheur. Plan son plan de paix et non de malheur. Non au malheur. Plan son plan de paix. Plan son plan de paix. Écris moun. Écris moun. Ba moun la main. Ba moun la main. Vous comprenez parce que vous comprenez ça qui passé. Vous comprenez ce qui passe? Il y a des gens, bon Dieu, délivré longtemps. Mais Satan bête dans la tête, il n'y a pas de jambes délivrées. Il y a des gens, parce que vous levez, vous jouez une maman, vous pas marié, ma tante, vous pas marié, et puis tout, carrément, je prononce sous tête, ah, la famille, moi, et mon fils, vous pas marié, vous pas marié tout, non? Ou qu'on a l'été tout? Ou qu'on a l'été tout? Non! Non! C'est pour dire non, Omar? Plan son plan de? Que bon Dieu bénisse.